Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, l'apprécié Pépi Assimi, M. Laurent Gbagbo, passe à autre chose dans sa vie. Les dernières nouvelles qui s'annoncent en Côte d'Ivoire concernant la présidentielle de 2025 et l'arrivée triomphale du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Que va faire Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo réfléchit déjà au plan B pour s'inscrire sur les listes électorales en Côte d'Ivoire, d'autant plus que l'année est déjà finie. Laurent Gbagbo parlait ainsi au parti septuagénaire de la Côte d'Ivoire, le PDC RODA. Voici les raisons cassées pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! D'autant plus que la présidentielle de 2025 approche à grands pas de Benoît de son appel. De M. Laurent Gbagbo entre Mme Simone Yves Gbagbo, tout va de mal en pis. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI, presse le bilan à mi-parcours. Le PDC RODA appelle ainsi les militants et populations de Benoît. Charles Blégoudé a dit non à l'appel triomphal de M. Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui de son côté, réfléchit déjà au plan B. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, au bord de la présidentielle, de 2025, le professeur Sébastien Dano Dédé en dit long. Combien de partis politiques et d'acteurs de la société civile ont répondu à l'appel de Benoît lancé par l'ancien président ivoirien M. Gbagbo? Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPAC, a fait un bilan à mi-parcours. L'appel de Benoît de M. Laurent Gbagbo a été lancé le 14 juillet 2024 depuis cette ville de l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du sud de Komoé. Selon son initiateur, le but est de rassembler toutes les forces vives politiques et les acteurs de la scène sociopolitique, les acteurs de la société civile qui partagent ainsi une idée, celle de battre démocratiquement le parti au pouvoir, le Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RSDP, à l'élection présidentielle de 2025. J'ai lancé un appel triomphal au Rassemblement pour faire face en sorte que le régime d'aujourd'hui ne soit plus celui d'après les élections de 2025, a affirmé haut et fort M. Laurent Gbagbo dans son dernier discours paru en ce matin. J'ai lancé un appel au Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix pour qu'il parle auprès de leur président Alassane Ouattara. J'ai lancé un appel au Rassemblement pour faire en sorte que le régime d'aujourd'hui ne soit plus celui d'après les élections de 2025. C'est une manière élégante de dire unissons-nous pour qu'on gagne en 2025, a parlé au effort M. Laurent Gbagbo, a soutenu l'ex-président ivoirien au cours d'un point de presse en ce matin. En ce matin, sa page officielle Facebook, selon lui, après cet appel, il enjoint ainsi son premier collaborateur, le président exécutif du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, son parti à l'effet de faire ainsi les consultations. Une mission à laquelle Sébastien Dano Dédé a donné suite au cours de cette rencontre avec la presse internationale dont il était le co-animateur. L'ex-ministre de la Réconciliation nationale en a fait le point. Du 20 juillet 2024 à ce jour, nous avons pu rencontrer 16 présidents de partis politiques, 4 représentants de partis politiques, un leadership d'opinion et un leadership d'opposition. Une plateforme qui comprend 8 partis politiques, soit un total, sauf une erreur ou omission. De ma part, un total de 28 partis politiques que nous avons rencontrés a révélé ainsi Sébastien Dano Dédé. Il a indiqué que dans le cadre post-collaborateur de sa mission sur l'appel de Benoît, les consultations ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Nous continuons ainsi d'échanger avec les leaders ici et avec ceux ou celles qui sont intéressés par cet appel triomphal. D'autres rencontres ainsi sont prévues dans les jours à venir, a-t-il déclaré au IFO. Parmi celles-ci, le professeur Dano Dédé a révélé une rencontre avec le président du COSEP, le ministre Charles Blégoudé,